Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Thaumaturge. On continue notre petite aventure et on était en train d'essayer de suivre notre Oupir qui nous rappelait des vieux souvenirs. Ok, on a trouvé une quête. Un extrait de la correspondance furtive et probablement secrète entre des étudiants. Il y a tellement de choses à faire. Ah, là il y a une petite vue de nouveau. Église de la Sainte Trinité. Et on a vraiment plein de trucs à faire. Hein. Waouh. Avant d'avancer à la quête principale, si on veut. Là, on est d'accord qu'on est bien du côté de l'Opel impérial. Oui, il est juste là d'ailleurs. Donc on peut essayer de voir où était la vue. Ah, le problème, c'est qu'il est un petit peu fermé, l'hôtel impérial. Donc, effectivement, on va pas y aller. On verra quand ça sera ouvert. C'est ouvert, mais ils veulent pas qu'on aille par là. Oh, une petite marelle. Father, can Abaurezi come with us to the sea? Out of the question. Holidays are to be spent with family, with loved ones, not with servants. Ah, l'ambiance, quoi. Toujours plaise. Listen, boy. You'll be the head of this family someday, and you have to understand that family is the one thing you can always rely on. Especially since you're a Tempramancer. Others will rob you, kill you, or even worse, ruin you. You should keep your friends close, but never behind your back. And your enemies you should keep even closer, next to your heart, because only then will they not surprise you. Ah, les leçons pour un gamin, quoi. Ok, soit par là, plutôt par ici du coup, on court sur les voies, j'épouse. Soit par là, ah merde. Ah, j'ai perdu la vision. Zut. Est-ce que je peux recommencer? Comment ça se passe? D'accord, on peut relancer, ok. En avant. You'll put me in an early grave. Duh, because it's always the woman's fault when a man starts getting certain notions. Effectivement, il aime pas qu'on l'ignore. Hein. Si on va trop vite, il est mécontent. Father, can Abaurezi come with us to the sea? Out of the question. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut avancer, ça coupe la ciné et passer à la suite. Listen, boy. You'll be the head of this family. Alors du coup, c'était par là, ouais, plutôt par là. Par là, plutôt par ici du coup. Plutôt vers le haut. Ah oui, il est là. Rarely did I see my father so furious. He thought that a trip to the once Polish Baltic Sea would improve his chilly relations with mother. I really didn't want to go. I prefer to play with Abaurezi in the streets of Praga. Mom wasn't disappointed that we stayed either. I didn't want to step on father's toes again. So I asked Ligia to make a scene. Like she did when Grażynka tried sending her to bed and she wanted to keep reading. I didn't even have to persuade her much. I wondered if it was the power of the twin bond or if I manipulated her subconsciously back then. Now I know I couldn't do it without forming our pact, but if that's the case, what were you doing here?
Et ça fait longtemps qu'il traîne dans le coin, l'ami au pire, là. Attendre que les choses se passent. Le pire n'exprime plus rien. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse quelques autres quêtes. On va peut-être pas faire toutes les quêtes secondaires dans ce let's play parce que ça va être un peu long, heureusement. On va aller faire un petit coucou à Rasputin par contre. Donc, il y a encore quelques trucs à faire du côté du cimetière. En plus, on a une vue à aller voir. Donc, pourquoi pas si on y passe par hasard, hein. Y a pas de raison. Allez. Oh, il y a un truc ici. L'association des techniciens à Varsovie vous invite à assister à une série d'interventions dispensées par les meilleurs inventeurs, techniciens et scientifiques de Pologne. Et du coup, on a une nouvelle quête de nouveau. Allez, les secrets urbains, si vous prenez le jeu, je pense qu'il y a vraiment moyen de d'en apprendre beaucoup sur. Sur Varsovie et la Pologne de l'époque. C'est assez sympa. Ouais, j'ai le cimetière, mais je vais laisser tomber les quêtes, les secrets de la ville, parce que j'ai malheureusement un temps limité, comme je disais, pour faire ce let's play. Et ça, c'est des choses, je vais pas vous spoiler à 100% le truc, quoi. What's going on? Présente, My name is pas non Victor plus un rustre. Sir and Madame are already in bed. Come back in the morning like someone respectable. Fear not, I'm here for Rasputin. I can sense he's in the drawing room. Alors, où est-ce qu'il a trouvé à vivre, lui? L'appartement est impressionnant, bien qu'il ne soit pas surdimensionné, il est bien meublé et témoigne de leur richesse. Une pile d'invitations. Vous qui c'est plutôt bien placé, l'ami Rasputin. C'est pas le petit truc, quoi. Ils sont pas du tout couchés. Ah, cette fois c'est des recettes à 5 PLN. Je ne connais pas cette monnaie. Bah, c'est là, il y a une petite chaise qui me coince. Alors, Rasputin, qu'est-ce qu'il a raconté à ses amis? Un flacon de parfum. Offert à Rasputin par les Nadarjinski, lui suggérant probablement qu'il ferait mieux de se débarrasser de son odeur intense pour le bien de tous. Cadeau a été accepté et mis de côté, mais jamais utilisé. Ça reste le mec de campagne, quoi. Un éventail décoratif. Les mots tremblants d'Aniela résonnent encore sous l'éventail adressé à son mari ou à elle-même, colportant des plaintes concernant les déclins de sa santé et de sa psyché. Petite bouffée d'air frais ne la soulage tant en rien. Ok, visiblement. Les Nadarzinski résident dans un quartier bien situé, assez aisé, ils vivent une vie confortable et ont des amis haut placés. Le choix de Rasputin était évident et semble avoir gagné leur faveur en s'occupant d'Aniela qui souffre de troubles nerveux. Parfait. Is that him? In the flesh. Allow me to introduce you, my dear hostess Aniela Nadarzinska, and my dear friend Viktor Shulsky. Your father had a beautiful funeral. Thank you. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Viktor to us. What brings you here? But you were the one who phoned. Very funny. Have you known them long? No, but Aniela and Lucien are my two good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof. And I'll never forget that.
Are you helping them too? I am a balm for Aniela's frazzled nerves. But enough of that. Tell me what you need. Qu'est-ce qu'il a raconté? Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a Thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you? Hein? You look like you've made yourself at home. Are you going to be staying on here for long? No, I'm afraid not. They're kind people, but I've experienced another vision. Though not fully terrifying, it is troubling. Will you tell me about it? Later. What brings you to me? Visiblement, on aura une raison de revenir le voir un moment. Il nous demande quand même, mais... Pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut. On a terminé la quête quand même, donc c'est très bien. On peut donc aller chercher notre tenue de soirée. Qu'est-ce qu'il y a le plus proche? Il y a un point d'intérêt juste là. Au bout de la rue. Photo. J'ai du tramway. Le London Bar. Excellent. Bon. On va aller ici. Voir le tailleur. D'ailleurs, il y avait un point d'interrogation sur le cimetière. Ça se trouve, le barbier était là-bas. Et on va commencer par le tailleur. Tailleur qui est tout là-bas, hein, du coup. Ah, la vache. Zut. Pas grave. Cours, cours, petit Victor. Cours. Ah non, la caillèche est trop loin, malheureusement. Tiens. Admire, il a vu. Ah, on a trouvé la vue de l'église, ok. Excellent. Donc ça fait ça, donc faut trouver une petite zone comme ça, si vous voulez faire les quêtes. Ça donne un paquet d'XP, hein. Du coup, on peut aller chercher... La prochaine action sera plus rapide de 1 tour. Ouais, ok, pourquoi pas. Et augmente les dégâts infligés de 75%. Excellent. Alors, il faut que je prenne quel chemin? Ouais, par là. Il y a un petit point d'intérêt par ici. On va quand même faire un petit détour. Après tout, si on tombe sur les trucs à découvrir, on les prendra. J'imagine que le fait que les quêtes soient limitées, c'est qu'il y a des lieux qui vont se fermer ou qu'à un moment on va quitter Varsovie probablement. C'est encore l'hôtel, ça? Ah non, c'est la guerre. Il est ici, notre ami le barbier. Est-ce qu'il faut qu'on y aille de jour, de nuit? Non, ça va, on peut y aller comme ça. Une tasse de café. Des tasses de café sale. Le marc de café témoigne de l'urgence qu'avait le tailleur de faire plus de café, de le boire à la hâte. La caféine est plus utile que le sommeil. Dormir, c'est perdre du temps précieux qui peut être utilisé à meilleur escient. Très bon état d'esprit. La note a été rédigée par un client impatient. Le pauvre, il est déjà sous l'eau. Est-ce que j'ai mis mon aiguille accrochée, putain? Excuse me. Damn it. I forgot to turn the key. Sorry, what? You tell me. What is it? Ah, on a... Il manque des infos. Pour l'instant, on va dire qu'on a besoin de vêtements de soirée. Good proportions. Thank you. Alterations won't take long. Your name and address, sir? Victor Shulsky, 9 Green Square. I'll send a messenger when I'm done. And Mr. Shulsky, if you'll allow me a moment of candor, as it often seems no one dares to address you with it. Sorry, what? Go and find yourself a barber in Povonsky. You look like a troglodyte. Now,
I'd like to go to my business. I won't bother you. All right. Bon, visiblement, il faut qu'on se rafraîchisse un peu. Une colère intense émane des patrons. Des mains désespérées ont essayé d'esquisser des croquis acceptables, intéressants et origineux en vain. Tout ce qu'il reste, c'est du chaos et de l'impertinence. D'accord, il est dans le mal, le pauvre. Le mannequin abîmé par les visites de nombreux clients porte encore quelques marques d'attention. Toutes les idées insatisfaisantes qui y sont nées sont rejetées, créant encore plus d'altérations sur sa surface. Le tailleur est doué pour la couture, mais souffre d'une panne d'inspiration. Il doit trouver de nouvelles idées, car la frustration et l'impatience n'engendrent rien de bon. Au train où vont les choses, il ne terminera pas son travail dans les temps et trouvera pas la paix d'esprit. Et du coup, est-ce qu'on peut l'aider à trouver la paix d'esprit? Mr. Shulsky, come in. What's new? I couldn't help noticing you're struggling for inspiration. You've got a keen eye. The book makes it easier. I have to guess what everyone has in their mind. Is there any way I can help? I want to know what people look for in fashion these days. Back in the day, all you needed was two pantlegs and a space for your Johnson. I don't know what else there is to it. If you tell me that, I'll be grateful. I'll sell you anything you want in return. Let me sharpen my senses. Ok, pour le moment, on n'a pas d'infos sur la mode, mais ça pourrait venir. Ah, du coup, on peut se changer. Ah non, il ne nous a pas encore livré, pardon. Il faut qu'on se trouve un barbier. Du coup, le DM du tailleur... Terre promet que son talent va bien plus loin que ce qu'il peut m'offrir pour le moment. Cependant, il a besoin d'inspiration directement prélevée dans les rues animées de Varsovie. Bah, il fait un peu de nuit, là, pour le moment. Il faut qu'on trouve un barbier. Donc, du coup, le barbier... J'ai l'impression que... Il n'est pas dans le quartier. Vous avez sur la tête, arrangez cela s'il vous plaît. Non, pas ici. Il a bien dit Powaski. On va donc à Powaski. C'est bien ce qui me semblait que j'avais vu que le barbier était dans le coin. Je veux savoir pourquoi la quête s'appelle Soirée Reptilienne quand même. Ça sent l'arnaque. On va tomber sur des reptiliens slash Illuminati là. Ça va partir en sucette vite fait. Ah, et un truc là. Manuel de danse. Un livre publié récemment. On peut essayer de trouver le résident. Très bien. Là, on trouve vraiment plein de trucs. Hein. Mon ami barbier, est-ce que tu as des choses à cacher ? Non, visiblement non. Le chic et l'élégance, c'est mon domaine. Come in. Please, set my hair to rights. Yes, sir. Alors, le rêve du fossoyeur. Le chic mortuaire. Abraham Lincoln. L'élégance de la vistule. Ouais. On peut pas avoir autre chose que juste rien. On peut pas se raser complètement, quoi. Prendre un truc un peu discret, et puis le rêve du fossoyeur, c'est pas mal. Allez, go. I don't usually talk to clients. Do you like it? Pourquoi est-ce qu'il parle pas beaucoup? Non, ça change tellement notre tête, c'est ouf. And even you admit that you rarely talk to clients. Why is that? When I prepared them for their final journey, it's hard to ask for their opinion. Ah, ok, il coiffe les morts d'habitude. So you style the deceased? C'est très bien. Mostly, they still need to look good.
After all, you only get a funeral once in your lifetime. So, what do you think? Do you like it? Bon, Chovity dit qu'on ressemble à rien, donc on va prendre autre chose. Maybe too much pomade. You know it's all the rage now. But that's all right. We'll change it. Bon bah, Chovity, vas-y, dis-moi du coup. C'est marrant pour prendre notre rouge de base, si on veut. C'est vrai qu'il n'hésite pas sur la brillantine, hein, j'avoue. Une moustache de picador bien modelée à l'aide d'une pommade attirera tous les regards féminins. Et les descriptions, elles sont excellentes. Une barbe pointue allonge le menton et amincit le visage. Ah, on est pas mal comme ça. Je sais pas pourquoi il y a des étoiles. Je sais pas si c'est parce qu'on a vu quelqu'un avec ça ou c'est un... Je crois pas qu'il y ait de... Enfin, il n'y a pas de précommande ou quoi que ce soit qui donnerait des bonus, donc... Je sais pas trop. Allez. Bah, ça change ma tronche, c'est le but. Allez, c'est parti. Yes, you're talented. Years of practice. My clients are always satisfied. Ok, on commence à ressembler un peu plus à quelque chose. Il y a des trucs là. Journal de Varsovie. Kazimir Prochinski. Prozinski. C'est Schke, ça c'est Z. Travail sur les appareils photo. Excellent. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un rouge à lèvres. L'étui est tombé de la fenêtre d'une calèche. Après tout, peut-être n'aurait-elle pas dû refaire son maquillage complètement ivre. Des mots passionnés se sont installés sur le couvercle, les supplications pour qu'elle le suive, des promesses qu'elle deviendrait célèbre comme danseuse dans le Nouveau Monde et que tout le monde l'envierait. Bon. Allons à la soirée. On apparaît hyper loin, effectivement. C'est le jeu. Vache, comment notre crâne brille de brillantine, quoi. Vache. C'est... Je comprends qu'ils se fassent piller des stocks entiers, les mecs. Hein. Un truc là. Carte postale. Rigolo. Carte avec vue sur les usines. Les salutations sur la carte postale sont recouvertes d'une couche de désir. Le souvenir d'un cadeau venu avec la carte recouvre la lettre. Un morceau de bois des usines de Lodz lui rappelle la tente chaleureuse qu'il a dû abandonner. Tout cela est bien triste. Alors on a deux points. On peut aller chercher du coup le dernier là. Et là, on augmente notre concentration de faction de façon permanente de 1. Et j'ai pas vu, ici on monte le cœur, ici on monte les PV. Alors du coup... Accélérer le salutor, augmenter les dégâts infligés de 75%, c'est mieux que le... 60% de chance de doubler, je pense. On va le mettre là, ça. Et là, on serait capable... 40-42, on peut one-shot quasiment n'importe qui. Ça peut être utile. Fort bien, montons à la maison. Est-ce qu'on a été livré? C'est par ici. Ah oui, la livraison est là, ok. Un package. Well, I don't know. I don't know. I see you went to a barber. That's something at least. Recently I met a bearded guy who's not especially fussy about his appearance. And yes, people welcome him everywhere with open arms anyway. Maybe he's a natural charmer. I've heard that can get you into the Imperial even without a tailcoat. Very funny.
Are you getting dressed so we can go, or have you changed your plans? Yes, allons-y. Let's go and see if I do fit in. In that case, I'll go get changed too. On a gagné anticonformisme chic. Look at you. And here I worried I was the only one who looked good in trousers. Mm-hmm. Very chic choice. Les plus beaux qu'elle. C'est tellement gratuit. Oh non, on va la complimenter. C'est bon, t'es pas plus un fumier, quoi. You think Papa would be mad that we're going to a party right after his funeral? I hope so. Victor. He could have kept from losing the Black Grimoire. Are we ready? Yes, the carriage is waiting. Jusqu'au bout, il tente le down, quoi. Oh la vache. Welcome to the Imperial Hotel. How may I help you? Liga Szulska, here on the invitation of Svetlana Rumyantseva. Yes, we are expecting you, of course. The soiree is taking place in apartment 237, second floor. I wish you a thrilling and successful evening. C'est l'appartement 213 qu'on a sur notre carte, nous. I'm impressed. How did you sort that out? Our name still means something. Let's do our best to keep it that way, all right? Soirée. Ouf. Who are you, my golden slithering friend? Victor? 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 Can you hear me? Yes, of course. These people are just waiting for us to put a foot wrong, understand? We're walking into the Viper's Den, brother. On va pas si bien dire. Tout va bien, everything's tourner. All right, I just got a little lost in thought. I'll be good, I promise. I'm going to hang around here a little longer. I'll meet you upstairs. Huh. See you there. Du coup, on est à l'intérieur, donc on peut pas faire le panorama. Alors, c'est un endroit impitoyable, un vrai nid de vipères dans lequel il faut suivre certaines règles afin de ne pas être vu comme une proie. Alors, trouver la personne porteuse d'une faille, trouver Svetlana dans l'appartement. Sergueï, coucou Sergueï. What did we come here for? These soirées are for old people. Good evening. May I? Please, we're not discussing anything consequential. You keep on worrying about yourselves. I intend to make the most of this evening. See, I told you he was in love. Miss Skowan is out of your league, my friend. To say nothing of her father. Écoutons discrètement, faisons les parler. Practically on first name terms now. You'll see. I'm sure. So, one eye-catching girl has already got an admirer. What does that leave us, Maxime? Hmm, not much. The dull, the silly, or, well, the old. En parlant de Ligia Shuska, she just passed this way. Pigs will fly before someone fancies her. She'd actually prefer Sophia Skowan, according to what I've heard. Well, what do you think? Eh ben écoutez, justement. Victor Schulski. Well, there we have it. Ah, ma fierté est trop basse, hein. Je peux pas répondre ça, tiens, d'accord. Donc si je ne prends pas les réponses fières, des fois, on l'a dans l'os. And I don't like what I just heard, especially about my sister. And what are you going to do about it? Je peux rien faire pour le moment. I promised that I would be well behaved tonight. Pourra t'arracher la tête et pisser dedans, mais je vais plutôt te laisser discuter. Rie un peu par là. À
Affiche de la séance. Une affiche publicitaire présentant la mystérieuse Madame Samira. La surface de l'affiche est imprégnée des émotions positives des passants les regarder. On peut lire de la curiosité à l'égard de la mystérieuse voyante, ou une excitation trahie par un rythme cardiaque rapide. Apparemment, les séances ont beaucoup de succès. Les mecs, ils me traitent de taré alors que c'est eux qui insultent ma sœur, quoi. Non, mais sérieusement. Vraiment de la chance qu'on est premier, qu'on se tiendrait bien. Hein. Et là, on a sa fameuse Sophia. Good evening. Good evening, Viktor Shulsky. Irina Orlova of Those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Shulsky. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? Maybe you'll tell us something about yourself. Bon, on va nourrir notre fierté. To hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A thaumaturge. Don't worry. But now you do. Well, it depends on what kind of trick you show us, Mr. Shulsky. Au moment, on n'a pas de quoi les épater. No, what a shame. On va trouver. Il y a un truc là. Contrairement aux douceuses de vaudeville, ces beautés soutirent des fortunes à leurs amants sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une cage dorée. Dans cette cage dorée se font entendre les murmures d'une femme ayant hésité à l'ouvrir. Elle s'apprêtait à libérer les oiseaux et à observer le chaos qui s'en suivrait. Cependant, quelque chose en a dissuadé et les oiseaux sont toujours prisonniers. C'était ce qu'elle voulait faire? Peut-être. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'autre. On va essayer. Isn't that our Mr. Shulsky? I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. On va les taquiner un peu. Do you like being a tease? Forgive me, ladies, for teasing you like this. Here's the secret. Come on, we're dying to know. Someone was recently playing with a lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Shulsky? On peut faire un petit échange de secrets. For my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Our fathers don't know we're here. There you are. How naughty. None of your fathers know? None. Especially not Sophia's. Otherwise he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. And what now? I need to slip away for a moment. Bon. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyantseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Les amis de Sophia m'ont confié qu'elle s'était discrètement rendue à la soirée à l'insu de leur père. Ils trouvent ça excitant, sans qu'ils apprécient les pics d'adrénaline que Sophia fait naître en eux. Petit problème de genre ici. On pourrait sûrement se servir de ça pour aller titiller. Ah tiens, un éventail. Un geste social classique sans mérite mais très efficace. La propriétaire de l'éventail d'humeur expiègle l'a fait tomber. Afin d'attirer mon attention, elle ne va pas être déçue. On pourra aller teaser un peu
les trois relous là. Mais il est un petit peu tard, on va donc arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.